uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezweho n'umuryango w'amatoro Beteli mu Rwanda. Pourquoi les gens vieillissent vite? Muzima abantu basaza vuba. Il y a deux raisons. Hari impamvu ebyiri. La première, impamvu ya mbere, elle est un peu scientifique. Iri mu rwego rwa science. Vous voyez? Murabibona? Les galaxies ou les étoiles qui meurent vite. Amagalaxi ahari inyenyeri zipfa vuba. Ou les étoiles qui meurent vite. Amanyenyeri apfa vuba. Ce sont des étoiles qui sont gourmandes au niveau de consommer leur énergie. Na amanyenyeri agira ubusambo bwinshi agatwara imbaraga zayo cyane. Elles vont dans le stock, elles mangent tout, 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 tout. Akamara byose mu bubiko bw'imbaraga zabwo. Et après l'étoile s'effondre sur elle-même. Hanyuma ayo manyenyeri agashonga ubwayo. Qu'on appelle supernova. Nibyo bita supernova. Parce qu'elle mange tout, elle mange tout. Kubera ko amiragura ibintu byose. L'étoile gourmande meurt vite. Amanyenyeri agira ubusambo apfa vuba. Elle consomme tout l'hydrogène, même le lio. Amiragura ama hydrogène n'ama helium imbaraga zayo. Et la science a découvert. Science yavumbuye. Que les gens qui mangent beaucoup, ça c'est sérieux. Les gens qui mangent beaucoup, ils vieillissent vite. Basaza vuba. Ça c'est la science. Niko science ivuga. Byose Imana uko yabiremye ni ishusho y'ibintu byacu. Les étoiles qui meurent vite sont les étoiles les plus gourmandes. Amanyenyeri apfa vuba na amanyenyeri akunda kukoresha imbaraga zayo. Et les hommes qui meurent vite, qui vieillissent vite. N'abantu bapfa. Je ne dis pas les accidents. Basaza vuba simvuga impanuka. Hein? Naturellement. Mu buryo busanzwe. Ce sont des gens qui mangent beaucoup. N'abantu barya cyane. Plus tu manges beaucoup. Ukurya cyane. Plus tu diminues la vie. Niko ubugabanya ubuzima bwawe. Ça, c'est la science aujourd'hui. Et moi, je peux le comprendre. Parce que quand tu manges, pour que ça soit digéré, ça demande de l'énergie. Et l'énergie vient d'où? Les enzymes. Et au fur et à mesure, ça s'épuise. Zirashira. Gabanya. Il y a une science qui est urwenya. Hey. Kurya cyane nkuko ziriya nyenyeri niko bigenda uburiragamanya ubuzima bwawe witusaza vuba arije twe ubwacu twiyahura kandi atari imana itwishe. Sometimes we commit suicide not being killed by God. Ndasenga rwose ko umuntu wese agira ibyo afungura. I really pray for everyone to have food. Ariko utangire kumanaginga ubuzima bwawe. But manage your life. Kuko Imana iragukeneye. Because God is in need of you. Natwe turagukeneye. And we also need you. Amen. Amen. Umwe wese hano afite akamaro. Everyone here has his role. Je vais vous dire que Dieu est un bon pédagogue. Ndashaka kubabwira ngo Imana ni umwigisha mwiza. Pourquoi est-ce que? Kubera iki? Il exhorte son peuple. Ihugurira ubwoko bwayo. To set apart a time for fasting. Gushyiraho ibihe byo kwiyiriza. Pourquoi est-ce que Dieu dit il faut que vous ayez un temps régulier de jeûne? Kubertimana ivuga ngo mugomba kugira ibihe bihoraho byo kwiyiriza. No kwiziko kurya non stop biradusajisha. Alors que quand jeûne, vous comprenez, le corps se restaure. Iyo wirije umubiri urongera ugafata imbaraga. Abakibaza ngo Imana iravuga ngo tuyirize nibiki? Ah ah. Dieu sait. Imana irabizi. Niwe muganga mukuru. He is the supreme doctor. Donc la doctrine rero inyigisho du jeûne prière zo kwiriza no gusenga avant d'être spirituel mbere yuko ziri no mu mwuka ja pour notre bien physiologique ahubwo ni kubw'ineza y'ubuzima bwacu. Les apôtres intumwa et l'église primitive ni torero rya mbere. Comprenez? Murabyumva? Jeûner deux fois par semaine. Zirizaga kabiri mu cyumweru. Mercredi et vendredi. Kwa gatatu no kwa gatanu. C'était une journée de jeûne. Ibyari iminsi yo kwiyiriza. Ikase le jeûne le soir. Bakafungura nimugoroba. Et pour le juif, le jour commence le matin à la levée du soleil, se termine le soir au coucher du soleil. Abayuda rero umunsi utangirira izuba rirasa ugarangira izuba rirenga. La première église. Itorero rya mbere. Jeûner deux fois par semaine. Ryirizaga kabiri mu cyumweru. Mercredi et vendredi. Kwa gatatu no kwa gatanu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Umubiri wawe ni ingoro y'umwuka wera. Tu dois en prendre soin. Ugomba kuwitwararika. Tu comprends? Et celui qui détruira le temple de Dieu,
kandi uzasenya ingoro y'Imana. La Bible dit. Bibiliya iravuga. Dieu le détruira aussi. Imana nayo izamusenya. Donc ce n'est pas seulement ton corps. Ntabwo ari umubiri wawe gusa. Dieu dit c'est mon temple. Ahubwo Imana iravuga ngo ni ingoro yanjye. Il y a beaucoup de lipides. Et amavuta menshi. Je veux que j'ai la soma. Ndashaka kugira ibiro. Ijunja. C'est comme ça quand j'entre dans les bureaux les gens disent ah, kugira ngo arahageze. Nininjira muri biro abantu bazavuge ngo arahageze. Beaucoup de lipides. Fati bivuta byinshi. De glucose. Amasukari menshi. Et après X temps. Nyuma y'igihe runaka. Des maladies. Indwara. À l'hôpital. Mu bitaro. On coupe la jambe. Bakaguca amaguru. Comprenez? Murabyumva? Et tu vas dire? Hanyuma ukavuga ngo n'Imana yabishatse. Igihe cyageze. Nous pouvons mourir avant le temps. Dushobora gupfa mbere y'igihe. La Bible dit. Niko bibirivuga. Aba bose bapfa nabo ari kugihe cyageze. Udafite Yesu abapfumu bashobora kumusarura ataragera. Mwari mu bizi ibyo? Abashi bakagushika. Ça on l'a vu. Twarabibonye. Cyangwa ubwawe kubera uburangare bwawe urya n'importe quoi n'importe où n'importe quand ubwawe ukagabanya imyaka 20 yo kubaho kwawe. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa, urifuza inama, waduhamagara kuri 0784 26 18 00 ndetse na 0788 46 00 55 cyangwa ukatwandikira kuri info@bethelchurches.net.